méditation des cinq sens avec votre chien ou votre chat. Installez-vous confortablement et adoptez une posture agréable, confortable, avec votre chien ou votre chat. Vous pouvez vous installer sur votre canapé, votre lit ou au sol sur un tapis moelleux. Puis, posez vos deux mains sur votre chien ou bien une main sur vous et une main sur votre chien pour faire le lien. Fermez doucement vos yeux et prenez conscience de votre respiration. Prenez conscience de la respiration de votre chien. Portez votre attention sur vos deux respirations telles qu'elles sont ici et maintenant. Suivez le va-et-vient de votre souffle, de votre respiration. À chaque inspiration et à chaque expiration. Suivez le va-et-vient du souffle de votre chien à chacune de ses inspirations et de ses expirations. Suivez le va-et-vient du souffle de votre chat à chacune de ses inspirations et expirations. La respiration de votre chien est plus rapide que la vôtre. En ce début de séance, cela est normal. Prenez conscience de vos sensations corporelles, de votre dos sur le dossier de votre canapé ou contre vos oreillers, de vos mains sur vos chiens, ou d'une de vos mains sur vous et l'autre au contact avec votre animal. Prenez conscience de vos pensées. Est-ce que votre esprit est calme ou est-ce que vous vagabondez? Laissez partir vos pensées sur un petit nuage. Il sera temps de les retrouver plus tard. Recentrez-vous sur votre respiration lente et profonde, votre respiration de détente. Et recentrez-vous également sur celle de votre animal. À présent, ouvrez les yeux et portez-les sur votre environnement et sur votre chien ou votre chat. Comment le voyez-vous? Observez sa forme, la couleur de son pelage, la luminosité sur sa fourrure. En étant simplement observateur de votre environnement. Puis, portez votre attention aux odeurs. Sentez-vous l'odeur particulière et familière de votre chien? Vous pouvez, si vous le souhaitez, humer son pelage. Puis humez vos mains et unifiez ces odeurs. Explorez les différentes odeurs autour de vous deux. Elles peuvent être agréables, désagréables ou neutres. Expérimentez.
À présent, portez votre attention à votre bouche, et plus particulièrement au goût. Rappelez-vous un plat que vous adorez en activant votre salive. Accueillez les saveurs qui se présentent et percevez les goûts qui se dégagent. Imaginez votre chien ou votre chat quand il se délecte de sa gourmandise préférée, le plaisir qu'il en retire. Puis portez votre attention au son, des plus sonores aux plus discrets. Les vôtres, ceux de votre chien ou chat, les bruits dans votre pièce. Comme le son de la respiration de votre chien ou le son de votre propre souffle. Portez attention aux bruits dans la pièce ou aux bruits extérieurs, comme le chant des oiseaux. En accueillant tous ces sons tels qu'ils se manifestent, ici et maintenant, pour votre animal et vous. Ces sons qui participent à votre séance, qu'ils soient agréables ou moins, accueillez-les sans jugement. À présent, focalisez-vous sur le toucher. Vous pouvez explorer la fourrure de votre animal en le caressant très très doucement, en l'effleurant, en le massant. Prenez conscience de la chaleur de son corps, du vôtre, des différentes températures peut-être entre vous et lui, ou entre différents endroits de votre corps ou de son corps. Prenez conscience de la texture de ses poils, de la texture de votre peau, sur votre bras ou sur votre visage. Comment est le poil de votre animal, votre chien, votre chat? Est-il doux, sec ou gras? Demande-t-il à être brossé? Restez désormais en présence dans ce duo, en accueillant tous vos ressentis, ici et maintenant, avec votre chien ou votre chat. Accueillez vos pensées, sensations et émotions telles qu'elles viennent. Imaginez ce que peut accueillir votre animal à son tour. Observez-le, observez-vous, ici et maintenant. Observez ce qui est pour vous deux dans ce moment unique et intense de partage. Avez-vous découvert de nouvelles perceptions, de nouvelles sensations? Comment votre chien ou votre chat a-t-il vécu la séance? Que ce soit le cas ou pas, peu importe, il n'y a pas de but à atteindre.
mais une expérience à vivre en duo avec votre compagnon. Et enfin, à votre rythme et progressivement, vous pouvez doucement ouvrir vos yeux en portant attention à vos cinq sens. Les couleurs, les formes, les textures, la température, les sons et les odeurs.